Hello tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous portez bien. Donc effectivement, oui, il fait chaud, comme vous pouvez constater, oui. Et ben voilà, les vacances sont finies, donc de retour pour quelques petits déballages de pop. Comme vous avez pu voir sur la miniature, il y en a un petit paquet. Donc ça va, cette vidéo, je vais la faire en deux fois. Mais avant qu'on commence le premier déballage, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. C'est le petit bouton qui ressemble à ceci et qui est en bas. Si t'es encore pas abonné, eh ben abonne-toi, partage et puis active la petite cloche pour savoir quand c'est que je mets les prochaines vidéos. Puis allez, c'est parti, suis-moi. Bon bah voilà, j'espère que vous passez de bonnes vacances encore, ou si vous n'êtes pas encore en vacances, bah bientôt, bah bonnes vacances, hein, voilà. Donc on va déjà déballer cette première petite partie qui est là, voilà. Il y en a 5, voilà. La deuxième partie, il y en aura 5 aussi, voilà. On recommence gentiment, voilà. Donc cette fois, on a la première qui est sur une série de Netflix. On va commencer par ceci. Et après, les 3 autres, ou les 4 autres, ça sera sur un film qui est sorti il y a quelques temps au cinéma. Voilà. Donc on va commencer par ceci. Alors, comme vous savez, il y a quelques temps, je vous ai déjà montré une série de The Witcher. Donc on va continuer. Voilà, donc j'ai de nouveau Gérald. Et si je me souviens bien, voilà, c'est pas la même que l'autre. Non, c'est bien, c'est pas la même, c'est déjà ça. Parce que celle-ci, c'est l'édition limitée, comme vous pouvez voir ici. Là, pour la convention 2021, si je me trompe pas. Non, ouais, 2021, voilà. Limite édition convention 2021, donc voilà, elle est un petit peu spéciale. Donc on va pas traîner, je vais l'ouvrir, je vais vous la montrer, hein. Et puis oui, ça, comme vous pouvez voir, ça fait chaud, hein. Alors, et on n'oublie pas, faut s'hydrater, hein. Pas que de la bière, hein, de l'eau aussi, c'est pas mal. Bon, allez, la première, c'est le petit Gérald. Donc nous avons sa petite épée, il a sa petite chemisette avec son médaillon du loup qui allait fort sympathique. Donc la voici, notre petit Gérald de Rive, avec, on voit son petit médaillon, et derrière, voilà, il a son épée, voilà. Elle est sympa, il n'y a rien de monstrueux, mais elle est chouette. Voilà. Donc normalement, je crois que maintenant, ben, j'ai la collection complète. Voilà. Hop, alors. Donc ça, c'est l'édition limitée. Nous avons encore ça, c'est déjà ce que je vous ai montré. Hop. Donc on avait évidemment dans la même collection Ciri. On avait l'édition de base de Yennefer. Nous avons évidemment Jaskier, voilà. Et on avait aussi l'édition limitée de Yennefer, comme ceci. Donc voilà, donc cette fois, j'ai normalement la collection complète. Jaskier, Yennefer, Gérald et Ciri. Donc je les ai tous. Bon, donc ça, on peut laisser de côté. Et on va continuer notre déballage. Donc, il y a quelques temps, je pense que vous avez pu voir, hein, il y a le dernier Jurassic World qui est sorti au cinéma. Enfin, ça date déjà un petit peu maintenant, voilà. Donc là, j'ai pu en trouver quelques-unes. Bah, il y en a encore plein, et je crois qu'il y en a encore d'autres, hein. Mais, alors, derrière, nous pouvons avoir... il y en a pas mal, hein. Donc, on peut avoir Owen Grady Claire, on peut avoir le Gigantosaure, le T-Rex, deux Gigantosaurus, en Tyrannosaure, en... Atrociraptor, le Velociraptor, Ian Malcolm, Dr. Eddie Stettler et Maisie, voilà. Donc ça en fait quand même pas mal, ça en fait 2, 4, 6, 8, 10, ça en fait 11, et puis moi j'en ai 4, voilà. Hein, donc ça en fait pas beaucoup sur la totalité, mais bon. Hein, on va déjà ouvrir celle que j'ai, puis on verra. Donc... par quoi on va commencer, lesquels j'ai? Eh bien, on va commencer par un petit dinosaure. C'est le... ah voilà, c'est la movie. C'est Velociraptor, c'est ça. C'est Blue et Beta. Enfin, Beta dans le film, je ne vais pas vous spoil, hein, attention spoil. Mais c'est son petit bébé, voilà. Je vais vous la montrer avant que je l'ouvre. Voilà, elle est comme ceci. Alors, hop.
Là, ils l'ont mis sur un petit pied. Hop là. Elle est fort sympathique, elle est vraiment chouettard. Donc voici Blue avec son petit bébé. Moi, je la trouve franchement sympa. Voilà. En plus, ils lui ont fait des jolies couleurs. C'est un joli bleu qui est là-dessus. Elle est vraiment chouette. Moi, j'aime bien. Hop, donc on va la ranger. Enfin, si j'arrive de nouveau à la remettre dans son paquet. Hop, voilà. Ensuite, alors, qui c'est qu'on va prendre? Bon, allez, on va prendre celle-ci, hein. Donc là, nous avons cette fois un personnage, et c'est Claire, voilà, comme ceci. Donc, dans cette collection Claire, nous pouvons la voir une seule fois. Donc, bah, au moins, je l'ai, voilà. Hop. Elle est sympa, il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'est clair, voilà. C'est clair, c'est clair. Sors, ok, m'en vais. Non, je déconne, allez, ok. Bon, voici Claire. Voilà, ils l'ont fait comme ceci. Elle est sympa, il n'y a rien d'extraordinaire, mais elle est sympathique. Voilà. Une petite chemise en jeans, voilà. Il n'y a rien d'extravagant. Mais elle est chouette. Ensuite, hop, ensuite, et ben on va passer, ben on va passer à elle. Donc la prochaine, nous avons, j'ai réussi à voir aussi Maisie, voilà. C'est leur fille, enfin leur fille adoptive, enfin voilà. Si vous avez regardé Jurassic Park World 2, ben vous savez pourquoi, je vous dis que c'est leur fille et adoptive. Je vais pas trop vous spoiler si vous les avez pas vus, voilà. Donc maintenant, à vous de voir si vous les regardez ou pas, hein, ou si vous les avez pas vus. Alors, elle est sympa. Elle est sympa. Son petit sweat, le petit logo qu'elle a dans le dos, sa petite capuche. Non, elle est vraiment sympa. Sympatoche, donc voici Maisie, voilà. Avec son petit sweat. Là, dans le dos, en plus, on voit bien son petit logo sur sa veste, sur le sweat. Enfin, jeans, chaussures, basiques, voilà. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais elle est chouette, elle est assez représentative que dans le film, donc c'est vraiment sympa. Hop. Et malheureusement, nous arrivons à la dernière pour aujourd'hui. Voilà, comme je vous ai dit, on recommence gentiment. Ça sert à rien d'être tout le temps à fond. Hein, donc voilà. Donc voilà, nous finissons avec notre petite dernière épop sur Jurassic World. Voilà, Dominion, comme il l'appelle. Nous avons Owen Grady, voilà, qui est comme ceci. Alors j'essaierai d'avoir quand même les autres, pas forcément les dinos, mais au moins les autres acteurs qui sont de la première génération qu'on fait dans le film. Oups, spoil, désolé, voilà, si vous ne l'avez pas vu. Donc j'essaierai d'avoir d'autres personnages de ce film. Mais pour l'instant, on va déjà ouvrir et voir Owen, comment ils l'ont fait, pour voir s'il est pas mal. Ah, il est sympa. Non, il est sympa. Hop. Donc voici la petite dernière, c'est notre cher Owen, voilà, qui est fort sympathique aussi, voilà, avec son petit bandana quand il a l'air d'être blessé, son petit bracelet, voilà, il n'y a rien de... sa petite ceinture multifonction, on dirait, voilà, rien d'extraordinaire aussi, mais elle est plus que correcte, elle est propre, elle est bien faite, elle est bien finie. Non, moi je dis que c'est des bonnes petites figurines, il n'y a rien à dire, c'est vraiment sympa. Hop, alors celle-là, on la rentre aussi. Hop, hop, hop. Voilà. Bon, puis après, non, bah voilà, ce qui reste,
ici, ça sera pour une deuxième partie. Eh ben oui, oui. Effectivement, j'aurais pu vous les faire tous d'un coup, mais sinon, où est le plaisir? Il n'y en a pas, voilà. Donc bah, j'espère que ce petit déballage de Funko pour recommencer après mes vacances vous a plu. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de vous les présenter. Donc bah, portez-vous bien, à la prochaine pour regarder la prochaine ouverture de ce qui reste. Et surtout, c'est du spécial. Bon allez, portez-vous bien, à la prochaine, allez, ciao ciao.